I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, rebonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je suis Nostradaben et me voici en compagnie une fois de plus de M. Jonathan Drapeau, Johnny D, Ocho Josh Ryan. En tout cas, ouais, ça va, mon Ben? Ah, ça va très bien. Yes! Grosse nouvelle hier, si tu parais. Yes, grosse nouvelle pendant l'événement de AEW. Comment il s'appelle, show? Je pensais que ta femme était enceinte. Ben non! Ah, c'est le Wrestling Dream, sérieusement. Un grand gars-là qui va probablement éventuellement mettre sa map la AEW si certaines gens l'ont écouté hier. Oui, puis je pense que cet événement-là va avoir changé à jamais l'histoire de la AEW. On se souvient qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'acquisitions faites par la AEW, excusez-moi. Mais la WCW aussi. Il y a eu, je pense, à Jon Moxley. Il y a eu Chris Jericho qui était là dès le début. Ouais. Il y a eu Malakai Black qui est arrivé à un moment donné. FTR. FTR qui est arrivé aussi. Athena. Athena. Soraya. Cesaro. CM Punk. Cesaro. Mais là. Brian Danielson. Faut pas l'oublier, lui. Yes. Mais là, je pense qu'ils ont vraiment frappé dans le mille. Je parle de Adam Copeland, a.k.a. Edge. Rated R Superstar, mesdames et messieurs. Yes, maintenant, All Elite, t'en penses quoi, toi, mon Ben? Oh, c'est une belle acquisition. Non, tout le monde le sait, Edge, avec tous les titres qu'il a remporté à la WWE, ça fait de lui le lutteur le plus décoré de l'histoire. Je ne parle pas nécessairement en tant que championnat du monde, mais tout titre confondu. Et là, la All Elite Wrestling de Jacksonville de la famille Khan a fait l'acquisition de cette grande vedette canadienne. Yes. Qui, je le dis, d'après moi, c'est fait partie des top 5 des plus grands lutteurs canadiens. On s'en doutait, par exemple. On s'en doutait avec la vidéo qu'on a vue passer sur les médias sociaux de notre ami Tommy. Oui. Tu sais, on s'en doutait, mais on pouvait comme pas trop en parler. C'est une super belle acquisition, honnêtement, qui ait fait ça. Puis je sentais que Edge était en plein contrôle. On voyait comme un nouveau Edge, un nouveau Adam Copeland, plus énergisé, avec peut-être plus de challenge, on dirait. Tu sais des fois, la période d'inconfort où est-ce que tu commences dans une nouvelle entreprise, ouais. T'es plus dans tes pantoufles. T'as comme plus un boost, tu sais. Puis je pense honnêtement que ça va faire des belles choses dans les prochaines semaines. On sait également qu'il y a environ un mois, il a fait son dernier match à la WWE face à Sheamus dans sa ville natale qui est Toronto. Effectivement. Là, dans ce que je peux comprendre, il y avait des rumeurs qui. C'est ça qui s'en irait avec la AEW. Yes. Il a pris un mois pour se reposer de ses blessures plus tranquillement. Se tenir peinard avec sa belle petite famille. Puis là, oui, tout à fait. Hier, ça a été le. C'est comment on appelle. Mettre un punch, là. Yes. The cream of the crop. Ah, mais c'était un punch, là. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, ça s'est passé pendant le combat pour le titre TNT de Christian Cage qui affrontait. Darby Allin, hein, c'est ça? Ouais, si je ne m'abuse, c'est ça. Yes, et puis dans le fond. Mais la carte est sur Internet, ouais, aussi, ouais, sur Google. Ouais. Et puis si dans... Tu voulais la vérifier, ouais. Pour montrer qu'on ne dit pas de conneries. Là. Parce qu'on n'a pas écouté le show, on a tellement une vie personnelle, une vie professionnelle occupée que là, on a comme pas passé. On n'a pas pensé de l'écouter sur le coup. Faut être dans. Pas Full Gear, mais. Wrestling Dream, hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que, tu sais, on parlait de Wrestling Dream, mais tu penses-tu qu'il va pouvoir avoir des Dream Match
sais, en lien à ça. Qu'est-ce que tu prédis, toi, dans ta boule de cristal? Dans ma boule de cristal, je prédis que c'est sûr qu'il va faire un match contre son ami d'enfance, Christian Cage. Ah, c'est certain. Puis en plus, ils ont fini avec ça. Ah, c'est ça. Christian Cage, il a battu Darby Allin 2-1 dans un 2-3 pour le AEW TNT Championship. Ça, on disait pas de conneries, c'est ça? Non, c'est ça, exactement. Puis à la fin du combat, Sting est assommé. Sting est assommé. Et là, l'entrée à Edge, il se fait prêter une chaise par Christian et son acolyte. On pense tous qu'il va frapper Sting, mais non. Il fait un face turn. Ben, il était déjà face, mais yes. On pense qu'il va virer elle en frappant Sting, mais non, il a frappé les heels. Ça fait plusieurs années, je dirais, qu'un combat comme celui-là ne m'avait pas donné des frissons. Là. Je le regarde encore, puis je suis comme « Oh, mon Dieu, que c'est particulier! » Puis les gens qui étaient là live, ils devaient capoter leur vie. Mais je ne sais pas si c'était le même effet que son comeback au Royal Rumble 2020. Moi, personnellement, son comeback au Royal Rumble 2020... Ouais. Non, mais je dis pas que c'était pas bon hier, mais... Non. Royal Rumble 2020, parce qu'il y a tellement de rumeurs qui participeraient au Rumble. Et là, quand j'ai entendu « You think you know me », ben... Puis il y a des vidéos sur YouTube, des gens, là, mettons, dans le salon ou dans la salle, leur réaction. Même chose pour hier à Wrestling Tout à fait. Et puis, à la fin de l'événement de la EW Wrestling... Wrestle Dream, dans le fond. Il y a eu une conférence de presse avec Tony Khan, comme ils font à chaque fin de card. Oui, exactement. Et puis, ils ont donné le micro à Adam Copeland. Et puis, ils ont posé quelques questions. Et puis, une des réponses que Adam Copeland a données, c'est qu'il était vraiment content de faire partie d'une nouvelle aventure, mais qu'il rêvait de lutter contre des gars comme Kenny Omega, Sting, qui n'avait jamais lutté. C'est des trucs qui pourraient éventuellement arriver là, dans les prochains shows. Je ne dis pas nécessairement dans les prochaines semaines, mais il semblerait que Edge, dans son contrat, lutterait de façon régulière. Là. Il ne lutterait pas juste dans un pay-per-view. Là. Et avec ce qu'on a su comme news par rapport à la AEW, on sait qu'ils vont faire des shows au Canada. J'imagine que ça donne la puce à l'oreille à certains avec l'acquisition de Edge. Donc, ça doit être une des raisons aussi pourquoi ils ont été le chercher pour que ça aide la vente de billets. Donc, n'oubliez pas que la EW sera présente au Centre Bell les 5 et 6 décembre prochains. Les billets sont en vente sur Ticketmaster. Centre Bell ou Place Bell? Centre Bell. OK. Yes. Et puis, je pense qu'on a fait le tour un peu de cette émission spéciale sur... l'acquisition de AEW pour notre ami Rated R Superstar Edge, a.k.a. Adam Copeland, qui débutera prochainement sur le petit écran dans les émissions régulières de la AEW. Possiblement, c'est peut-être lui qui va battre MJF pour la strap AEW World Champion. Ouais, ben là, moi, ce que je pense, c'est que... Le pass contre le future, mettons, là. Christian doit avoir peur pour lui. Là. On voyait qu'il tenait sa petite ceinture et qu'il avait. Il shakait comme un caca. Là. Fait que, ça se peut très bien que rapidement Edge. D'après moi, il va être multi-crown. Là. Il ne sera pas juste champion. Il va ramasser plus d'une ceinture, à mon avis. Et tu sais, ouais, je me suis peut-être mal exprimé tantôt. Je dis le pass contre le future, le pass present en même temps. Contre le future qui serait MJF. Exactement. Oui, en tout cas, je souhaite. En tout cas, on lui souhaite, on lui prédit. Puis on est fiers parce que c'est un Canadien. Fait que c'est vraiment le fun de voir que, tu sais, une fois de plus, le Canada rayonne. Ils sont capables de se démarquer dans le monde de la lutte. Exactement. Si vous voyez Kevin Owens, Sami Zayn, Chris Jericho, Lance Storm, Chris Benoit, malgré ce qu'il a fait. Bret Hart, Owen Hart, Kenny Omega. Alors, c'est ici que se termine notre émission sur The Rated R Superstar Adam Copeland, qui a fait son début à la AEW. N'oubliez pas que la quatrième saison va débuter très bientôt avec une grosse surprise de la part du WrestleRock Podcast. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir!